À la nuit de la lecture. Merci beaucoup d'être avec nous. Je m'appelle Hugues Beaudoin-Dumouchel. Merci d'être à la nuit de la lecture, une activité présentée par la Maison des arts littéraires en collaboration avec l'UNEC et la Fondation Lire pour réussir. Une activité, bien sûr, qui se déroule, évidemment, vous l'aurez deviné, virtuellement. Merci quand même d'être là. On voulait bien sûr vous accueillir en personne, c'est ça qui était prévu à l'origine évidemment, c'était supposé être en personne à la microbrasserie à la dérive, la librairie Coopsco devait être sur place aussi, évidemment ce n'est pas le cas ce soir, on vous encourage quand même à aller visiter ces entreprises lorsque vous aurez la chance de le faire, parce que ce sera sécuritaire bien sûr, et puis ce n'est peut-être que pour une prochaine fois, ce n'est peut-être que partie remise, peut-être que l'année prochaine on peut espérer que ça va se faire en personne cette nuit de la lecture. Néanmoins, on est très content que vous soyez là en virtuel. La soirée va se dérouler essentiellement comme ce qui était prévu à l'origine, sauf que plutôt que d'être dans une microbrasserie, vous devrez vous-même aller chercher votre boisson, votre breuvage. Je peux le faire maintenant si vous voulez, pendant que je vous dévoile un petit peu comment ça va se dérouler. Alors, c'est très simple. Alors, on va avoir, premièrement, nos deux auteurs que je vais présenter d'emblée. Éric Mathieu, bonsoir. Bonsoir. Et Florian Olsen. Bonsoir, Florian. Bonsoir, Hugues. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, ces deux auteurs vont présenter chacun ce soir un extrait de leur plus récent livre qui sera lu par deux comédiennes professionnelles, en l'occurrence Clémence Roy-Daris. Bonsoir Clémence. Bonsoir. Merci d'être là. Et Maxime Turcotte. Bonsoir Maxime. Bonsoir. Et puis, bien sûr, après la lecture de l'extrait, j'aurai la chance de m'entretenir seul à seul avec l'auteur dont on aurait lu l'extrait. Ensuite de ça, on passera au deuxième auteur. Donc, dans l'ordre, ça va être Éric Mathieu, suivi de Florian Olsen. Et puis, à la fin de la soirée, eh bien, on va avoir une discussion croisée, à bâton rompu, moi ainsi que les deux auteurs. Et à ce moment-là, vous pouvez intervenir, vous aussi, mesdames, messieurs, par les différentes plateformes par lesquelles vous nous regardez. Vous pouvez émettre des commentaires. Et ces commentaires-là, ces questions-là, vous pouvez mettre des commentaires ou des questions, mais l'un et l'autre me seront relayés tout au long de la soirée. Et puis comme ça, j'aurai peut-être la chance de poser une ou plusieurs des questions que vous désiriez poser vous-même aux auteurs. On s'entend que si on avait été en personne, on aurait pu faire ça, vous auriez levé la main, vous auriez apporté un micro, vous auriez pu poser votre question. Ben, on peut pas exactement faire ça comme ça, mais si vous nous envoyez vos questions, bien avec plaisir, je vais les relayer. On a à peu près jusqu'à 21h15 ensemble ce soir. Alors, je vous présente sans plus tarder nos auteurs. Je les ai nommés, mais je vais aussi les présenter comme il se doit avec leur biographie. Donc, Éric Mathieu, qui est professeur de linguistique à l'Université d'Ottawa et écrivain. Son premier roman, Les Suicidés d'Eau Claire, a été salué par la critique, a été finaliste au prestigieux prix littéraire Trillium en 2017 et il s'est mérité le prix littéraire Émergence de l'Association des auteurs et auteurs de l'Ontario français. Et notre deuxième auteur est originaire de l'Acadie. Florian Olsen est bachelier en histoire de l'Université de Moncton, docteur en sciences politiques de l'Université d'Ottawa. Et en plus de sa passion pour la politique et les romans policiers, eh bien, il travaille aussi à titre de fonctionnaire. Alors, sans plus tarder, je pense que je vais vous céder la parole à vous, Éric. Tout seigneur, tout honneur, vous avez choisi un extrait de votre plus récent livre, Dans la solitude du Terminal 3. Alors, pouvez-vous nous mettre en contexte un petit peu pourquoi cet extrait-là que Clémence va lire pour nous? En fait, c'est tout le début du livre, donc c'est vraiment la première scène qui est la scène importante parce qu'elle va présenter le personnage principal, Nathan, mais aussi le deuxième personnage dans le livre, Adam, dont on retrouvera un petit peu le passage plus tard dans le livre, même si c'est un personnage un petit peu mystérieux, et c'est un passage important parce qu'il donne un petit peu le ton du livre, mystère, quel est ce personnage Adam, et Nathan va être bouleversé, sa vie va vraiment changer à cause d'un accident, dont il va être le témoin, donc ça donne un peu le ton du livre, alors j'ai pensé que c'était vraiment bien de commencer par le début, et puis peut-être ça incitera les lecteurs et les lectrices à continuer à lire le livre après. Ottawa, février 1984. C'était une soirée d'hiver comme beaucoup d'autres, maussade et engourdie. Il avait neigé dans la journée, et depuis le coucher du soleil, il tombait une perfide pluie verglaçante. J'entrais chez moi après mon quart au Rubens, le restaurant où je travaillais comme cuisinier. Les rues étaient désertes, les branches d'arbres paralysées par la glace, les fils électriques alourdis, les maisons endormies, et une lumière chimérique balayait mollement ces espaces dépressifs, presque imaginaires. Comme les trottoirs étaient particulièrement glissants,
Je marchais sur la chaussée. J'étais plus très loin de mon immeuble dans le quartier de Mechanicsville, à l'ouest de la ville, lorsque le bruit d'un moteur a rompu le silence cafardeux. Je me suis retournée. Une voiture était en train de foncer sur moi. J'ai sauté sur le trottoir en m'accrochant à un lampadaire. La voiture m'a dépassée et un peu plus loin au coin de la rue, comme dans un rêve, car tout s'est passé très vite dans un décor presque théâtral, illuminé de cristaux de glace scintillants et de lueurs froides. Le chauffeur a perdu le contrôle du véhicule, lequel a dérapé sur une plaque de verglas pour rentrer en collision de plein fouet avec un poteau électrique. Je suis restée figée, la bouche entrouverte, choquée par cet accident impromptu. Un chien s'est mis à aboyer. Je me suis approchée du véhicule, une Ford Mustang, dont le capot commençait à fumer. Le passager avait perdu connaissance et sa tête reposait sur le volant. J'ai pensé, et si la voiture prenait feu? L'angoisse m'a fait suffoquer. Il y avait à peine 6 mois, ma mère était décédée dans un accident de voiture et j'étais toujours bouleversée. Son véhicule avait plongé dans la rivière des Outaouais après avoir brutalement quitté la chaussée et elle était morte noyée. J'ai fouillé dans ma poche pour trouver un cachet, mais je n'avais rien sur moi pour me calmer. Lorsque le passager a repris connaissance, il a posé ses mains sur son visage. Il est descendu de la voiture avec une certaine pesanteur et a commencé à se diriger vers moi. Comme il ne regardait pas où il marchait, il a glissé sur une couche de glace et de tout son long, s'est affalé devant moi sur le bitume gelé. Je me suis agenouillée devant lui. Il ne bougeait pas et semblait avoir perdu connaissance. Et tout à coup, il s'est mis à remuer. « Où suis-je ? » a-t-il demandé d'une petite voix fébrile. « Qu'est-ce qui s'est passé ? » ?»« Je vais demander de l'aide. Appeler une ambulance. » Il s'est appuyé sur un coude et s'est relevé lentement. Il a dit « Non, ce n'est pas la peine. Je suis correct. » L'air étourdi, il a commencé à marcher. « Mais où vas-tu ? » ?»« Je connais quelqu'un dans ce quartier. J'ai rendez-vous. On m'attend. » Comme je ne voulais pas l'abandonner, je l'ai suivi. Je le regardais avancer tant bien que mal. Il boitait. C'était un homme un peu plus âgé que moi, habillé d'un long manteau d'hiver élégant. Ses cheveux noirs, mi-longs, étaient décoiffés et mélangés avec du sang. Au bout d'un moment, l'inconnu s'est retourné. « Quel est le nom de cette rue ? » ?»« Je cherche la rue Bromley. » »« Ce n'est pas loin, c'est à 5 minutes. C'est par là. » Il s'est passé la main dans les cheveux et a soupiré longuement. « Alors, allons-y, » a-t-il dit en se remettant à marcher. J'ai eu envie de faire demi-tour et de rentrer chez moi, mais j'ai continué à le suivre. Alors qu'il prenait à droite au croisement, je lui ai demandé « Et la voiture ? » Il n'a pas répondu à ma question, mais m'a parlé de manuscrits, de portefeuilles oubliés. Je ne comprenais pas tout. Au coin de la rue, il a failli tomber de nouveau. J'ai dit d'une petite voix timide, « C'est glissant, il faut faire attention. » Après quelques minutes, l'inconnu s'est arrêté devant une petite maison, dont le parement de bois en mauvais état et le toit, ravagé, presque en ruine, donnait un aspect miteux à l'édifice. L'homme a gravi les marches du perron et je l'ai suivi. En fouillant dans sa poche, il a dit « C'est là. » Et d'un air peiné, « Je n'ai pas la clé. » Il a sonné une fois, deux fois, mais personne n'a répondu. Et il a fait une vilaine grimace en poussant un long soupir. Comme il se tenait à peine debout, j'ai passé mon bras sous le sien. Ce contact innocent m'a tout de suite troublée. Une émotion violente et un élan de joie mélangé à de la peur m'ont envahi. Et j'ai senti mes joues devenir violettes. De ma main libre, j'ai dû serrer la rampe du perron pour me ressaisir. L'homme a poussé un petit cri en se frappant le front. J'ai dû laisser la clé dans la boîte à gants. Abandonnant mon bras, il a reculé et a tourné les talons comme s'il s'apprêtait à rejoindre sa voiture. « Non, je vais y aller, » ai-je dit. « Ne bouge pas. » Il s'est appuyé contre la porte et a fait oui de la tête.
Peux-tu me rapporter mon portefeuille dans la boîte à gants? Oui. Et la grande enveloppe sur le siège du passager? D'accord. Attends. Puis j'ai demandé... Au fait, comment t'appelles-tu? Il m'a regardé d'un air triste. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûre. A-t-il dit en se frottant le front de la main droite. Son menton tremblait. Alex. Je crois que je m'appelle... Alex. Tu n'as pas l'air certain. Oui, Alex. C'est ça, Alex. Un temps. Et toi? Nathan. Nathan, Adl. Ne bouge pas. Je reviens tout de suite. J'ai repris le chemin à l'envers. La pluie verglaçante avait cessé. La lune se reflétait dans la glace sur la chaussée et le silence était absolu. Je me suis approchée de la voiture, terrifiée à l'idée qu'elle explose. L'avant du véhicule était tout cabossé et le capot fumait toujours. Sur le siège du passager, une grande enveloppe avec, en haut à droite et en lettres majuscules rouges, l'inscription « Manuscrit ». J'ai fouillé dans la boîte à gants et y ai trouvé un trousseau clé et un portefeuille comptant plusieurs cartes de crédit, ainsi qu'une dizaine de billets de 50 $. Le permis de conduire ontarien d'Adam Besson, ne s'appelait donc pas Alex, indiquait qu'il était né le 15 décembre 1957 et qu'il demeurait dans le quartier Côte-de-Sable. Sur la photo, l'accidenté beaucoup plus jeune, cheveux courts, décolorés et boucles d'oreilles, regardait l'objectif sans sourire, l'air narquois. À l'intérieur du portefeuille, j'ai également trouvé un reçu venant d'un nettoyeur de vêtements, avenue Laurier, et une photo d'un homme très maigre, habillé en costume trois pièces, un vieux chapeau sur la tête, les pommettes saillantes, le teint pâle et l'œil reptilien. Lorsque je suis revenue, munie des affaires personnelles de l'accidenté, un peu essoufflée car j'avais marché vite, Adam Alex n'était plus là. J'ai entendu un bruit au fond de la cour et j'ai fait le tour de la demeure. J'ai découvert un hangar sans porte, avec toutes sortes d'objets à moitié couverts de neige. Des bassines en fer blanc, un vieux vélo, des outils pour le jardinage, des cagettes, des paniers en osier. Je suis passée à côté d'une étrange sculpture en bois, représentant un personnage couché sur le côté et complètement nu. J'ai d'abord pris pour une femme, avant de me rendre compte qu'il tenait dans sa main droite son énorme pénis en érection. J'ai levé la tête vers les fenêtres arrière de la maison. Aucune lumière n'était allumée. Il m'a semblé pourtant apercevoir un rideau bouger à l'étage et une silhouette m'observer. Je suis revenue du côté de la rue et j'ai gravi les marches du porche. Où était passé Adam Alex? Après une courte hésitation, j'ai sorti le trousseau de clés de ma poche et j'ai essayé plusieurs clés avant de tomber sur la bonne. J'ai poussé la porte et comme je ne trouvais pas d'interrupteur, je me suis tenue un moment sur le seuil sans oser pénétrer dans le vestibule. J'ai songé à faire demi-tour et à rentrer chez moi, mais au lieu de cela, j'ai avancé dans le noir. Très vite, il m'a semblé entendre une respiration saccadée, un souffle dans mon cou qui m'a donné des frissons. Je me suis engagée dans un couloir obscur, suis tombée sur une porte que j'ai ouverte. À droite, un interrupteur. J'ai allumé. J'étais dans une cuisine des années 50. Avec une cuisinière usagée, des armoires dont certaines n'avaient plus de porte, un linoléum jauni, sur les murs, une peinture verdâtre écaillée et des taches de graisse. Dans l'évier, des assiettes et des casseroles sales. Au fond de la pièce, une porte ouverte donnait sur un petit salon. Je suis entrée. Un décor démodé, des fleurs séchées ou en tissu dans des vases ébréchés, une table basse en forme de cœur, un tapis effilé aux motifs démodés, un canapé usé. Une odeur de bougies parfumées, de désodorisants synthétiques flottait dans l'air. Une télévision était allumée sans le son et diffusait un reportage sur l'industrie agroalimentaire. Gisait sur le poste une enveloppe avec le prénom et le nom du mystérieux accidenté. Adam Besson, en lettres majuscules. J'ai pris l'enveloppe.
Il est déposé avec le reste de ses affaires sur la table devant le canapé. Je suis montée à l'étage. À droite du palier se trouvait une chambre, avec un désordre immense. Des vêtements par terre, des médicaments en vrac sur la table de nuit, des mouchoirs en papier souillé sur la descente de lit. À gauche, une autre chambre, plus petite. Un pupitre contre la fenêtre, jonché d'aiguilles, de flacons divers et de morceaux de coton. Au mur, des affiches jaunies de groupes des années 60 et 70. Au fond du couloir, enfin, une salle de bain fatiguée dont le sol était couvert de taches de sang. J'ai eu soudain très chaud, comme si mon corps entier se fondait avec l'air vicié et que la maison m'enveloppait de son atmosphère insalubre. Je suis descendue au salon. Je me suis assise sur le canapé et j'ai pris, sans réfléchir, l'enveloppe trouvée sur le poste de télévision. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, une fiche Bristol avec au recto, ce curieux message. Où est Mother Grey? Je veux visionner Peccadé. Ainsi qu'une suite de courtes phrases dans un alphabet mystérieux et indéchiffrable, car il m'était inconnu. Au verso de la carte Bristol, on avait griffonné le dessin d'un étrange appareil, une espèce de machine à sous d'un autre âge. J'ai ouvert aussi la grande enveloppe trouvée dans la voiture. Il s'agissait d'un manuscrit intitulé « Dans la solitude du terminal 3 ». Pas de nom d'auteur ni d'adresse. J'ai lu quelques lignes. La mère, les mains serrées sur son sac, est assise devant une grande baie vitrée. Elle fixe un point devant elle, le corps immobile, le regard vide, la bouche triste, comme un mannequin dans la vitrine d'un magasin. Comme il se faisait tard, j'ai décidé de quitter cet endroit poussiéreux. J'ai d'abord voulu laisser toutes les affaires de l'accidenté sur la petite table. Il les récupérait bien un jour ou l'autre. Je me suis ravisée, j'ai décidé de me rendre, dès que je pourrais, à l'adresse indiquée sur son permis de conduire. Avant d'arriver chez moi, je suis passée dans la rue où l'accident avait eu lieu. À ma grande surprise, la voiture n'était plus là. Avais-je rêvé? N'y avait-il pas eu d'accident? Que m'arrivait-il? Après réflexion, je me suis dit que la police avait sans doute été prévenue et la voiture avait été remorquée. Mais lorsque je me suis approchée du poteau, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun signe de collision ou de trace de pneus dans la neige. J'ai secoué la tête comme pour me réveiller. Je me trompais tout simplement d'endroit. L'accident avait eu lieu dans une autre rue, un peu plus loin. Trop épuisée pour aller vérifier, je suis rentrée chez moi. Merci beaucoup, Clémence. Éric Mathieu, on vient d'entendre donc le début de ce dernier roman, Dans la solitude du terminal 3. Bien sûr, le thème ce soir, c'est la nuit, c'est ce qui est sombre, ce qui est étrange, beaucoup d'onirisme. Déjà, on a cet accident d'emblée. Est-ce qu'il y a vraiment eu un accident? Qui sait? Quiconque a lu vos autres romans pour adultes, que ce soit Le Goupil ou Les Suicidés d'Eau Claire, savent à quel point il y a toujours quelque chose d'étrange dans vos romans. Toujours quelque chose, on sent un petit peu, passez-moi l'expression, à côté de la plaque. Et c'est certainement le cas de votre protagoniste, on y arrivera, mais pourquoi? Pourquoi en général? Oui, pourquoi dans vos romans, vous avez toujours ce côté-là, cet attrait pour qu'est-ce qui est étrange, qu'est-ce qui semble un petit peu, des fois, difficile à saisir, comme dans un rêve? Oui, mais la vie est étrange, en fait. C'est un peu une suite de rêves. On vit dans une certaine réalité, mais on passe beaucoup de temps à dormir, à rêver. La journée, quand on est éveillé, on rêvasse aussi beaucoup. On pense à l'avenir, on pense au passé, on est beaucoup dans sa tête. Donc oui, il y a une réalité externe, il se passe des choses, on va travailler, on discute avec des gens, mais il y a quand même beaucoup de choses intérieures qui se passent. On est quand même des êtres qui sont marqués par les gens qu'on a rencontrés, par sa famille, par le passé, etc. On peut avoir des doutes, on peut réfléchir à l'avenir, etc. Donc on est beaucoup dans sa tête, donc ça m'intéresse, et je pense que ça intéresse les écrivains, ça intéresse la littérature, dans le sens où le réalisme n'est pas forcément le sujet de la littérature. On s'intéresse à des choses un petit peu plus humaines, un petit peu plus surréelles, surnaturelles, on pourrait dire. Et ça renvoie aux émotions et aussi aux perceptions qu'on a en tant qu'être humain.
Parce que finalement, la réalité, c'est un peu notre perception de la réalité. C'est pas la réalité brute. Donc, c'est ça qui m'intéresse en tant qu'écrivain. Avez-vous toujours eu ce goût, cet attrait pour le surnaturel? Bah, c'est-à-dire que petit, il y a beaucoup de gens comme ça, j'aimais les films étranges, les livres étranges, j'étais un peu terrorisé enfant en lisant Alice au Pays des Merveilles, qui est vraiment terrifiant, Pierre et le Loup, par exemple, quand on l'écoute, c'est pour les enfants, mais bon, c'est vraiment effrayant. C'est comme les frères Grimm, hein. Oui, par exemple, ou alors même Le Petit Prince, c'est vraiment d'une tristesse absolue. On fait lire ça aux enfants de 8 ou 9 ans. C'est vraiment tragique, c'est terrible. Donc, on a beaucoup de choses comme ça qui nous marquent étant enfants, et ça reste, et ça donne un goût littéraire ou par rapport au cinéma. Et ça m'est resté, en fait, beaucoup, parce que ça me faisait peur, beaucoup. Les films d'Hitchcock à la télé, je les regardais très jeune, et ça me faisait peur. Et donc, si vous voulez, c'est un peu une continuité de ça. Et donc, pour ce dernier roman, vous avez créé le personnage de Nathan, qui est le protagoniste. De qui vous êtes-vous inspiré? En fait, je voulais parler de moi. Ça se passe au Canada, donc ce n'est pas forcément mon histoire à moi, parce que là, à cette époque-là, dans les années 80, j'habitais à Londres, en fait. Mais je voulais parler de moi quand j'avais 18-19 ans, que je sortais beaucoup, que je doutais un petit peu de mes études, etc. Donc, c'était un petit peu important de parler de mes sorties, de mes connaissances. Aussi, j'étais quelqu'un qui se cherchait beaucoup, qui était très influençable. J'ai changé depuis. J'ai mûri rapidement dans ma vingtaine, mais avant j'étais plutôt naïf. Je pense que ce personnage est assez naïf, il se laisse entraîner dans un tas d'affaires. Alors c'est un peu exagéré, j'ai pas connu ce que Nathan a connu dans le livre, mais c'était pour ouais, non, c'est ça. Mais c'était pour essayer de rendre compte plus, comme je le disais tout à l'heure, d'un état d'esprit, d'une perception que moi j'avais par rapport au monde, et d'essayer de me mettre dans la tête d'un personnage où c'était encore pire. Pour parler de quelqu'un, il y a beaucoup de jeunes comme ça qui se cherchent, peut-être aussi dans les années 80, c'était courant, il y avait le sida, il y avait un tas d'affaires qui étaient vraiment difficiles pour les jeunes, en fait. Et donc, je voulais parler de ça, donc c'était vraiment le point de départ. Et ce qui m'intéressait aussi, c'était de le mettre dans un lieu précis à Ottawa et Montréal, mm-hmm. pour ancrer l'histoire au Canada. Et donc, tout de suite, dans l'extrait qu'on a lu tout à l'heure, on voit tout de suite Ottawa, l'hiver... Il y a tous les lieux qui sont mis en place dès le début du livre. Tous les lieux qui sont mis en place, qui sera suivi d'autres personnages, Antoine Dulis, entre autres, que va rencontrer Nathan. J'aimerais ça quand même, avant de parler d'Antoine Dulis, revenir au lien qui vous unit à votre protagoniste, parce que dans votre roman, Nathan, lui, tente d'écrire. C'est la raison pour laquelle il va, entre autres, rencontrer, Adam, là. J'essaie d'en parler sans trop dévoiler, évidemment. Mm-hmm. Mais il va rencontrer Antoine Dulis, qui lui est un écrivain. Mm-hmm. Mais dans son roman, Nathan est incapable d'écrire, du moins une bonne partie. Est-ce que c'est un petit peu vos angoisses à vous qui se retrouvent mm-hmm. sur la page? C'est comme une mise en abîme d'Éric Mathieu, en quelque sorte? Oui, c'est ça. En fait, dans l'extrait, tout de suite, on est dans la métafiction qui est annoncée, puisqu'on parle d'un manuscrit qui s'appelle justement « Dans la solitude du Terminal 3 », qui est en fait le livre qu'on tient dans les mains. Donc, il y a un livre dans un livre. C'est un livre qui parle aussi de l'écriture. Alors, pour se sortir de ce côté un peu misérable qu'a le personnage Nathan et moi aussi, l'écriture a été une sorte de révélation, de sortie de cette misère un peu émotionnelle. Et ça m'a permis d'évoluer, de mûrir. Bon, le problème, c'est que ce n'est pas facile d'écrire. Et effectivement, le livre parle de ça. Alors, Nathan rencontre un écrivain qui est connu. C'est un personnage inventé, mais il est connu et il va l'aider à écrire. Et donc, en fait, je voulais parler de la difficulté d'écrire. Pour moi, c'est toujours très difficile d'écrire. J'ai beaucoup de difficultés, surtout avec, par exemple, la première version d'un livre. J'aimerais écrire, mais c'est difficile de trouver des idées, etc. Et pour remettre dans le contexte un petit peu personnel, historique, entre guillemets, j'ai mis longtemps à écrire. Donc, j'écrivais un petit peu, mais j'ai quand même mis longtemps à finaliser les projets. Et donc, cette personne, Nathan, c'est un peu moi, mais un peu plus jeune que moi, en fait. Et c'est un livre qui parle de ça, qui parle de la possibilité de l'écriture et de se libérer et de se sauver par l'écriture. Et à la fin du livre, on peut comprendre la fin du livre un peu comme on veut, mais une des interprétations qu'on pourrait avoir, c'est que finalement, bon, Nathan s'en sort grâce à la fin du livre qu'il a réussi à écrire, en fait.
Un peu comme vous, finalement. Vous avez dit en entrevue, je fais, lorsque j'écris, je fais appel à mon subconscient. Comment ça fonctionne? Ben, c'est-à-dire qu'il y a des thèmes qui m'intéressent, donc il y a des choses dont je suis sûr, les lieux par exemple, je veux que ça se passe au Canada, je veux parler de moi à un certain moment de ma vie par exemple, et puis après il faut créer des scènes, alors là je me laisse aller, donc c'est-à-dire que, bon par exemple j'écris très tôt le matin quand je suis à moitié réveillé, ça permet de ne pas complètement conscient, je pense que l'ego peut être trop fort, et chez l'écrivain c'est vraiment un problème parce que on veut être on est perfectionniste, alors on a tendance à réviser constamment et à ne pas avancer. Alors moi, j'aime avancer dans un manuscrit, quitte à revenir en arrière après, puis réviser. Mais ce qui est très important, c'est d'avancer et d'écrire un petit peu sans se relire. Donc, quitte à faire des fautes, quitte à effacer plus tard la moitié des mots qu'on a écrits. Mais c'est se lancer dans des idées. Alors, une image peut venir. Comme là, si vous voulez, le livre commence comme ça. C'est une image de l'hiver, un quartier spécial d'Ottawa, un accident de voiture. Donc, ce sont des images, des perceptions qui arrivent. Et ça, ça va m'aider à développer une scène avec des personnages et un but pour la scène. Le but de la scène, c'était justement d'introduire le personnage principal du livre et puis d'introduire un autre personnage qui est une espèce de fantôme dans le livre, c'est Adam, et de créer une atmosphère. Donc, après, la scène, elle a un but dans le livre, mais au début, c'est vraiment pour libérer mon esprit et pour essayer d'inventer, en fait, quelque chose. Donc, on écrit avant le premier café et puis on relit puis on réécrit après le premier ou le deuxième, oui, c'est ça? Oui, parce que dans l'après-midi, on est fatigué, alors on va réécrire. Là, l'ego prend le dessus, on prend le contrôle, on n'est plus dans le surréel. On essaye d'injecter... Mais l'idée est sortie. Oui, voilà, c'est ça, l'idée est sortie. Et puis parfois, bon, quand on l'écrit, on dit « c'est vraiment nul ». De toute façon, je vais le jeter. Mais finalement, quand on relit l'après-midi ou le lendemain, on dit « bon, c'est pas si mal, je vais réécrire, je vais travailler là-dessus ». Mais le premier jet est très difficile. C'est vraiment une question de se lancer et c'est pas facile. Et je pense que même, bon, c'est mon troisième roman adulte, on pense qu'à chaque fois, ça va être plus facile, mais c'est jamais plus facile, en tout cas pour moi. Il y a toujours vraiment une difficulté d'écriture, d'invention. Et donc, mais c'est ça aussi, ça fait partie de la créativité, c'est excitant. On ne sait pas où on s'en va, et la page blanche est un peu terrifiante, mais on essaie de se laisser aller, de laisser le subconscient travailler. Je suis curieux de savoir si Florian Olsen travaille de la même façon que vous. Merci beaucoup, Eric. On s'en parle un petit peu plus tard. Florian Olsen, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous, Florian. Je vous poserai la question un petit peu plus tard, mais avant toute chose, on va écouter un extrait de votre roman, votre premier roman. Ça s'intitule « Un automne noir », je le tiens ici. Alors, pouvez-vous nous présenter brièvement l'extrait qui sera lu par la comédienne Maxime Turcotte, s'il vous plaît? Avec plaisir. Donc, « Un automne noir », ce qu'il y a de particulier, c'est que le roman se situe en deux temps. Donc, il effectue des va-et-vient dans le temps entre... une époque qui s'appelle l'automne, oui, qui se déroule il y a une dizaine d'années, pendant laquelle il y a eu une série de meurtres contre des jeunes filles pendant une élection municipale particulièrement sordide à Hull. La deuxième temporalité du roman se situe au présent, pendant l'époque qu'on appelle hiver, pour aider le lecteur et les lectrices à se situer dans les chapitres, une dizaine d'années après les faits, donc, pendant laquelle on suit une protagoniste, Esther A. Villeneuve, qui écrit un ouvrage sur la campagne municipale qui a eu lieu dans le contexte des meurtres. Donc, cette enquête sur les meurtres qui ont eu lieu à l'automne mène deux policiers, Nassir Hassan et Mila Scherer, une profileur criminelle qui a été prêtée de la police de Montréal, à remonter sur la trace de Sophie Viau, une artiste qui a un rôle pas toujours très clair dans l'histoire. Donc, il se heurte à elle à quelques reprises, elle se trouve toujours dans les parages des événements, puis on ne comprend pas très bien ce qu'elle fait là. Finalement, donc, Maxine va lire deux extraits. Dans le premier extrait, c'est le premier moment où est-ce que les enquêteurs arrivent à Sophie Viau, puis discutent avec elle, essayent de clarifier son rôle. On la trouve ensuite dans le deuxième extrait, un peu plus loin, où on commence à s'enfoncer comme les enquêteurs, puis à s'enliser dans les avenues plus sombres, qui sont celles de la fabulation de Sophie Viau. Une femme troublée, on n'est pas entièrement sûr. Donc, je cède la parole à Maxine.
Un automne noir de Florian Olsen, deuxième partie, chapitre 5, automne. La silhouette fragile de Sophie Viau apparut dans l'entrebâillement de la porte comme si elle cherchait à protéger son corps. Elle ne paraissait pas surprise pour autant de voir Hassan et Scherer se présenter chez elle et accepta qu'ils entrent discuter, comme si elle s'était déjà résignée à cette éventualité. Sophie était une femme menue. Sa coupe de cheveux épousait la courbe de sa mâchoire. Sa teinture foncée accentuait son visage pâle. Une paire de lunettes vieillottes dissimulait ses yeux fuyants. Derrière celle-ci, le maquillage n'arrivait pas à masquer les cernes de l'insomnie. Elle habitait seule dans un 3,5 aux moulures victoriennes de la nue Notre-Dame de Lille. Hassan crut lire dans les égratignures qui fissuraient le plancher de bois franc les histoires de dizaines de déménagements et d'autant d'occupants. Malgré toute l'usure des lieux, la locataire actuelle ne gardait pas moins son logement dans un ordre impeccable. Scherer trouva d'ailleurs que la propreté de l'intérieur de l'habitation tranchait sur le perron vieillissant et l'allée de blocs de ciment s'enfonçant dans la terre. Les tableaux qui meublaient avec divers degrés d'achèvement chaque recoin libre de l'appartement impressionnèrent les détectives. Des galeries de personnages enfouis dans des manteaux de cuir, les cheveux hérissés ou en partie rasés, peuplaient, mégots au bec, les ruelles d'une métropole déchue. Le seul commerce qui animait encore les habitants de cette cité gothique était celui de l'indifférence. Il n'y avait pour colorer cet univers nihiliste que des nuances de gris et de noir, sous une lumière toujours tamisée. Le flou des silhouettes des individus et des immeubles semblait délibéré, et Mila Scherer se dit que l'artiste avait voulu peindre la réalité fuyante de ses rêves et de ses cauchemars. Les enquêteurs conclurent que Sophie Viau était peintre. Alors pendant qu'ils s'assoyaient tous les trois, thé à la main, dans un salon chaleureux mais peu éclairé, elle précisa qu'elle produisait surtout des romans graphiques. Sophie leur montra d'un bout de doigt la toile sur laquelle elle travaillait en ce moment. Un homme et une femme nus s'enlaçaient, leurs corps sveltes mais robustes. Un moment d'abandon par lequel ils refusaient le désespoir qui pesait sur les autres toiles. La chevelure de l'homme était verte, toxique, alors que celle de sa compagne était platine. La lumière éclatante qui découpait leur étreinte contrastait violemment avec l'obscurité de l'appartement. Scherer prit le soin d'interroger Sophie, comme ils en avaient convenu auparavant avec Hassan, estimant qu'elle se confierait probablement plus facilement à une femme. L'agente spéciale chercha d'abord à la mettre en confiance pendant que Hassan scrutait attentivement sa gestuelle. Sophie Viau devait comprendre que la police ne la soupçonnait de rien. Scherer s'excusait qu'ils aient dû recouvrir à l'aide des médias pour retrouver sa trace. Mais la gravité de la situation ne leur laissait pas d'autre choix. Ils espéraient seulement qu'elle leur viendrait en aide. Les Gatinois avaient besoin d'elle. Ils commencèrent par son occupation professionnelle. Sophie travaillait depuis 2 ans dans une petite galerie d'art, où elle cumulait diverses fonctions, comme c'était le cas dans les petites boîtes qui espéraient réaliser de grandes choses avec peu de moyens. Elle avait entamé des études en art et appréciait le travail solitaire. Êtes-vous surprise que le sergent Hassan et moi ayons réussi à vous retrouver? Comment pouvait-elle l'être? Son visage était placardé à la une du droit, meurtre du viol, la police en appelle à la population pour l'aider à identifier un témoin potentiel. Plus bas, on pouvait lire, cette jeune femme pourrait détenir des informations cruciales pour faire avancer l'enquête. La police a précisé qu'aucun soupçon ne pèse sur elle. L'édition avait fait sensation. En quelques heures seulement, l'ensemble des médias avait repris la photo de Sophie Viau et citait l'article d'Alexandre Aster à l'appui. Sophie ne pouvait plus allumer une chaîne de télé sans retrouver son visage à l'écran. La ville entière le connaissait. Cette sortie forcée sur la place publique l'avait mortifiée. Un collègue qui lui adressait à peine la parole d'ordinaire s'était précipité sur elle pour lui annoncer que son visage passait à la télévision et dans les journaux.
Elle croyait entendre chuchoter son nom à tout bout de champ et s'imaginait toutes les rumeurs qui couraient à son sujet. Le patron de la galerie avait eu la gentillesse de lui proposer de rentrer chez elle sans lui demander d'explication. On ne l'accusait de rien, il y avait au moins ça. Scherrer précisa à Sophie, dont elle sentait l'agitation, que la police était prête à la protéger si elle le souhaitait. Elle baissa les yeux. Scherrer attendit un instant, puis déposa son téléphone intelligent sur la table et appuya sur lecture. La bande sonore crépita tranquillement comme du papier froissé. On entendit la téléphoniste du centre d'appel d'urgence répondre. Puis, une femme dont on devinait le désarroi au ton de sa voix. « Il a tué de nouveau !»« Madame, gardez votre calme, s'il vous plaît. Où êtes-vous ?»« Il a tué une femme !»« Gardez la ligne, madame. Êtes-vous en danger ?» Elle avait raccroché. « C'est vous qui avez passé cet appel ?» Sophie ne répondit pas, les yeux toujours rivés sur le tapis perçant. L'agent en profita pour lui résumer comment il l'avait retrouvée. Elle avait signalé le meurtre au 911. Comment était-elle au courant de ce qui s'était déroulé ?« Je passais par là, sans plus. » « Vous avez vu le meurtre de vos yeux ?»« Oui. » Où étiez-vous? Dans la rue? Dans l'immeuble? Dans la rue. Elle semblait se dérober aux questions. J'ai vu le meurtre par la fenêtre de la salle à manger, ajouta-t-elle enfin. Vous avez vu le meurtrier? Elle n'avait pas bien vu. Une grande silhouette noire, floue. La victime avait crié. Seriez-vous en mesure d'identifier le coupable? « Non. Pourtant, vous êtes sûr qu'il s'agit d'un homme. C'est ce que vous avez affirmé dans l'appel au 911. J'ai cru voir un homme. Vous dites, il a tué de nouveau. En d'autres mots, vous pensiez que la personne coupable du meurtre avait commis d'autres crimes, n'est-ce pas ?» Sophie bafouilla avant de répondre. « J'avais entendu parler du meurtre de la Marocaine et de la serveuse. J'ai dû imaginer que les meurtres étaient liés et j'avais peur. » Hassan et Scherrer échangèrent un premier regard. L'agente adopta un ton inquisitateur. « La Marocaine et la serveuse, vous voulez dire Nadia El-Alaoui et Caroline McKay, est-ce exact ?» Sophie hocha la tête. « Il y a seulement quelques jours que la police a admis qu'il pouvait y avoir un lien entre les meurtres de Nadia El-Alaoui, Claire Normando et Caroline McKay. » Mais vous nous dites que vous conceviez déjà les choses, ainsi le soir où Claire Normando a été tuée? Sophie hésita, parut mêlée. Hassan nota qu'elle tripotait sans cesse ses doigts. Oui, j'ai dû l'imaginer en lisant les journaux. Scherrer emprunta une méthode différente. L'appel a été enregistré un peu après minuit. Le secteur du parc La Fontaine, c'est pas la porte à côté. Et pourtant, vous avez pris la peine de marcher jusqu'au boulevard Saint-Joseph pour appeler le 911. Vous avez l'habitude de sortir si tard? J'étais au restaurant. Avec des amis? Seule. Sophie renchérit. Il y a un restaurant éthiopien que j'aime dans le coin. Hassan et Scherrer échangèrent un regard. Pourriez-vous m'indiquer le nom de l'établissement où vous avez mangé ce soir-là? La Corne de l'Afrique. Scherrer résuma. Vous mangiez à la Corne de l'Afrique en fin de soirée. Vous passiez dans le secteur du parc La Fontaine et c'est à ce moment que vous avez vu le meurtre? Oui. Vous rentiez chez vous? C'est ça. La voix de l'inspecteur Hassan, qui s'était contenté de prendre l'échange en note dans son calepin, fit sursauter Sophie. Et vous dites que le meurtre a eu lieu dans la salle à manger, c'est bien ça? Elle acquiesça. « Pourquoi n'avez-vous pas fait une déposition auprès de la police ?» reprit Scherrer. « J'avais peur, puis je me suis sentie coupable au cours des jours qui ont suivi. Il devait être trop tard, j'ai rien fait. » Un nuage plongea la pièce dans la pénombre. Le silence
avait dû énerver Sophie qui cala son thé en attendant que Scherer reprenne l'interrogatoire. Hassan en profita pour examiner les petits doigts grippés autour de la tasse. Ils étaient enduits de peinture, rien de plus. « Trois femmes sont mortes, Mademoiselle Viau, » reprit l'agente spéciale sur un ton plus ferme. « Il pourrait fort bien y avoir d'autres victimes. Vous avez l'occasion unique d'aider à la progression de l'enquête. Il est crucial que vous collaboriez avec nous. Je sais rien d'autre. » Elle leva les yeux nerveusement en direction de Scherer. Elle affectait maladroitement un air navré. L'attitude du témoin laissa Mila Scherer incrédule. Elle sentit ses épaules se tendre. Elle inspira lentement, profondément pour se calmer. Son diaphragme souleva ses côtes, dégagea ses poumons. Elle dévisagea son interlocutrice. Les vêtements de laine gris de Sophie accentuaient sa maigreur. En voilà une qui ne pêchait guère par excès. Plutôt par ascétisme, une anxieuse, se dit Scherer. Elle sonda le visage du sergent Hassan. Il n'avait aucune autre question. Scherer se leva et tendit sa carte à l'artiste. Hassan lui demanda s'il pouvait utiliser la salle de bain. Des comprimés traînaient sur le bord du lavabo. Cipralex, 20 mg. Hassan, fouillant un peu, trouva des reçus de paiement de consultation, une psychologue, et les empocha. Rejoignant Scherer, qui prenait congé de Sophie dans l'entrée, il sourit et ajouta « La corne de l'Afrique, j'ai entendu dire qu'on y mange bien. Ma femme apprécie la cuisine est-africaine. C'est une adresse que nous gagnerions à découvrir. » Sophie balbutia, visiblement mal à l'aise de jaser de pluie et de beau temps. « Oui, j'ai mangé les crêpes à l'agneau, avec les lentilles et puis des champignons. » « Elles sont délicieuses !» ajouta-t-elle après un temps, comme si elle s'était sentie bête de détailler son menu. « Prennent-ils les cartes ?» demanda Hassan. « Je ne traîne plus de liquide sur moi. Déformation professionnelle, sans doute, dit-il. « Moi aussi, » répondit Sophie en riant, soudain détendue. « Je fais tout au plastique !» Hassan lui adressa un regard plein de bienveillance. Elle comprit immédiatement qu'il ne tarderait pas à le vérifier. Le regard du sergent s'attarda à une section du mur en face de l'entrée, comme si quelque chose avait capté son attention. Il revient à lui-même, remercia Sophie. Tout en descendant les marches, Scherer s'imagina que Sophie Viau était postée à une fenêtre et les observait quittant les lieux, comme les méchants dans la série Columbo. Troisième partie, chapitre 4, automne. Sophie Viau patientait, résignée, les bras serrés contre sa poitrine. Elle était assise sur une chaise métallique au centre de la pièce vide, devant une table grise, avec une caméra vidéo pour seul interlocuteur. Il faisait froid. Sophie devait avoir compris que ce n'était pas par hasard. Recroquevillée, elle était désarmée, en attendant que Scherer et moi daignions enfin la rejoindre. Nous avions évoqué un échange franc de points de vue pour dissiper certains malentendus, mais elle devina vite que nous avions en tête un interrogatoire. Sitôt arrivé, nous l'avions abandonné dans la pièce. Quelques minutes seulement. La notion du temps lui avait probablement échappé. C'est ce qui arrive à la plupart des gens en interrogatoire. Sophie jetait des coups d'œil insistants à la fenêtre teintée, seul hublot qui donnait sur le monde extérieur. Derrière, Scherer et moi observions la suspecte tout en finalisant notre plan de match. Sophie comprit vite qu'on la cuisinait. Elle sursauta en entendant le cliquetis du verrou et la porte qui s'entrouvrait derrière elle. Nous sommes entrés l'un derrière l'autre. Je portais son dossier sous le bras. « Café ?» lui demandai-je en déposant un gobelet de carton provenant de la cafétéria, que Sophie accepta d'un hochement de tête. Je m'assis à gauche de la jeune femme, Mila Scherer prit position en face, j'appuyai sur l'enregistreuse. Scherer tira la première salve. Soyons francs, Sophie. Ton témoignage manque de crédibilité, déclara-t-elle fermement, mais sans agressivité.
Sophie ne répondit pas, aussi loquace que dans nos tête-à-tête précédents. Elle évitait nos regards ou examinait la pièce. Ses phrases et répliques étaient courtes, presque télégraphiques. « Oui, non, je m'en souviens pas, peut-être, si vous le dites. » Elle ne risquait que rarement des réponses plus longues et souvent se contredisait. C'était difficile de la croire. Elle mentait, ça se sentait. Scherrer interrogeait maintenant Sophie depuis 2 bonnes heures. Je perdais aussi la notion du temps. Ma collègue était admirable. Elle savait repérer chaque faille dans le récit. Elle me fit signe au bout d'un moment et nous quittâmes la salle pour nous concerter. Scherrer était sûr que nous touchions au but. Sophie essayait à peine de se défendre comme si elle se résignait d'avance à perdre la partie. Elle avait besoin de passer aux aveux. Nous devions lui faciliter la tâche, guider la discussion vers le problème qui la préoccupait, elle. Nous décidîmes de foncer. Aussitôt assis, je posais les photos des victimes sur la table. Scherrer multipliait les questions sur les 4 femmes tuées, leurrant Sophie pour la confondre. Elle nous surprit en insultant les victimes. Elle les traitait de faiblardes. C'était comme si elles avaient mérité leur sort. J'observais Scherrer et notre suspecte échanger des coups. Scherrer frappait et Sophie encaissait. Je me tenais en retrait de la scène quand soudainement, j'ai remarqué qu'elle tripotait ses mains. Elle entrelaçait et delaçait ses doigts, comme lorsque nous l'avions interrogée la première fois. La tension montait en elle, le stress la gagnait, la panique, elle se meurtrissait. Je ressentis un malaise, le même que j'avais ressenti devant le mur dénudé à l'entrée de son appartement. Je pensais au tableau. À un moment, Sophie abaissa son regard sur ses mains. Ses doigts étaient tachés, des couleurs sombres. Voilà ce que j'avais remarqué lors de notre premier entretien. La peinture qui salissait ses doigts ne correspondait pas à la couleur du tableau inachevé sur son chevalet. Je lui en demandai la raison. Sophie avança la réponse évidente. C'était un hasard. Elle fixait toujours ses mains. Elle haussait les épaules, tout simplement. Un enfant qui se fait gronder et ne sait plus quoi répondre à ses parents. Son visage se contractait. C'était pathétique. L'agent Scherrer se relança dans la mêlée, multipliant les accusations. Sophie secouait vigoureusement la tête. Elle avalait sa salive pour dénouer sa gorge. Elle était au bord de l'effondrement. Scherrer ne lui laissait pas le temps de respirer, évoquait les victimes, la peinture sous les doigts, ses cauchemars. Nous savions tout. Des larmes cascadaient à présent sur le visage de Sophie. « Je connaissais pas les victimes !» insista-t-elle. Mila Scherrer posa ses mains sur la table, puis cambra son corps en avant, comme si elle s'apprêtait à lui cracher au visage. Elle terminerait ses jours en prison. Pour quelle raison as-tu tué ces femmes? Sophie s'emmura tout d'un coup dans le silence, et je me dis qu'elle venait enfin de sombrer au fond du désespoir. Sa tête et ses épaules tombaient mollement et déformaient sa posture comme un pantin dont le corps s'affaisse sur une chaise. Ses cheveux noirs et huileux pendaient, s'entremêlaient devant un visage crayeux. Sophie était devenue soudain terrifiante, comme si les coups répétés avaient déchaîné un monstre intérieur dissimulé dans son corps tout frêle. Ce n'était plus une femme, mais un revenant, un Yuri des films d'horreur japonais. Scherrer et moi l'entendions à peine haleter. « C'est lui qui les a tués », chuchota-t-elle enfin comme dans une transe. Je croyais avoir mal entendu. Le silence s'étendit comme si nous méditions, pesions tous les trois la portée de ce que Sophie venait d'affirmer. Scherrer s'avança avec prudence. Le moment où les enquêteurs viennent à bout de la résistance du suspect est critique. « Tu dis que c'est lui qui a tué les 4 femmes ?» « De qui s'agit-il, Sophie ?» demande l'agente à son interlocutrice redevenue muette. Aucune réaction. « Tu parles de l'homme en noir, n'est-ce pas ?» hasarda enfin Scherrer. Fin de l'extrait. Merci beaucoup, Maxine. Si on était bien sûr à la brasserie, ce serait des applaudissements. Alors, je vous invite, mesdames et messieurs, à applaudir Maxine Turcotte du confort de votre foyer. Et applaudir aussi Florian Olsen, l'auteur. Oui, bien sûr. Bonsoir, Florian. Merci beaucoup d'être avec nous.
Alors, on écoutait ces interrogatoires. Bon, je me disais que ça ne doit pas être facile de subir un interrogatoire. Je vous jure, mesdames et messieurs, j'en ai jamais subi. Hein, je vous promets. Mais non plus. Mais je me disais aussi, ça ne doit pas être facile à écrire. Parce que quand on écrit un polar, bon, il faut quand même donner des pistes. Des fois, bon, ce sont des leurres. On le fait au compte-gouttes. Mais ce n'est pas évident non plus à écrire ce genre de scène-là, finalement. Est-ce que c'est ce que vous avez trouvé le plus difficile pour votre premier roman? C'est une bonne question. Est-ce que c'est ce que j'ai trouvé le plus difficile? Pas forcément. Je pense que c'était difficile d'aller chercher le bon ton dans l'interrogatoire. Puis je réécrirais des choses si j'en avais. Bah, je pense qu'on s'imagine toujours qu'on serait capable de faire mieux si on avait encore la chance de faire des retouches. Mais c'est difficile de garder, faire sortir l'information tout en gardant l'intensité, je pense, du moment. Aller chercher les états d'âme, les états d'esprit des personnages. Mais je ne pense pas que c'était plus difficile pour moi que les dialogues en général. Vous l'avez dit, il y a un chassé-croisé temporel entre l'automne et l'hiver. Bon, il y a quand même une période d'une dizaine d'années là, qui s'écoule. Finalement, c'est une enquête qui se fait à rebours, si l'on veut. Est-ce que vous avez dû établir un plan avant de commencer l'écriture ou vous l'avez fait plus en cours d'écriture? Donc, c'était intéressant quand j'écoutais Eric parler, parce que je réfléchissais au processus, évidemment. J'ai pas commencé avec un plan. J'avais une idée plutôt vague du déroulement général de l'histoire. Mais je pense que quand j'avais écrit 70, peut-être 100 pages, peut-être un peu plus, je me suis rendu compte que j'allais avoir besoin d'établir un plan assez détaillé pour m'assurer de pouvoir établir la cohérence entre les deux époques, donc les informations qui sont disponibles aux lecteurs et aux lectrices à un moment donné dans le temps, puis tout en ayant une idée plus claire de la suite de l'enquête. Ça, je le dis parce que dans la mesure où, comme on l'a vu dans le deuxième extrait que lisait Maxine, on comprend que c'est Nasir Hassan qui raconte une scène à quelqu'un. Donc, il raconte cette scène à Esther à Villeneuve. Donc, le passé de l'enquête est toujours raconté à Esther à Villeneuve par divers intervenants, ce qui fait en sorte que les lectrices et les lecteurs dépendent, en fait, de ce que les personnages expliquent ou l'information qu'ils dispensent par rapport à l'enquête. Donc, s'assurer de la concordance de ces informations-là, ça a été probablement le plus gros travail du roman. Mais l'idée de le faire justement en deux temps, d'avoir vraiment ce chassé-croisé-là, est-ce que ça, c'était là dès le début? Oui. Sinon, c'est venu très rapidement. Quand j'ai commencé à écrire le roman, c'est une structure que j'aime bien. Pourquoi? Parce que ça, je pense que ça aide à nourrir le suspense. Ça nourrit le mystère. J'aime les histoires qui ne sont pas nécessairement linéaires. Puis je pense que comme mécanisme, les va-et-vient dans le temps, donc dans ce cas-ci entre l'hiver et l'automne, ça permet toujours de revenir éclaircir des moments présents plus tard dans une histoire pour ajouter des détails qui les rendent plus percutants, par exemple. D'une certaine façon, c'est pas entièrement honnête parce que ça cache des choses au lecteur. Mais je pense que c'est un bon mécanisme pour garder l'intérêt puis le mystère plus longtemps des lectrices et des lecteurs. Après tout, c'est ça qui fait un polar. Est-ce que vous êtes un grand lecteur de polar, Florian Olsen? Oui. Qu'est-ce que vous aimez? Moi, maintenant, je l'ai été particulièrement à l'époque où est-ce que j'ai commencé à rédiger Un automne noir. Donc, c'était en 2008. Puis avant, je dirais que probablement que mes références plus importantes avaient été en termes de téléséries, mais j'ai commencé à lire énormément. J'ai découvert à cette époque Henning Mankell, qui est devenu un de mes gourous, donc le romancier de polar suédois qui a écrit entre autres Les Morts de la Saint-Jean. J'ai adoré, ça a été le premier roman de Mankell que j'ai lu. J'ai lu ensuite Stieg Larsson, bien sûr, Arnaldur Indridason, l'Islandais, bon, puis des Américains aussi, des Français. Donc, pendant une période de peut-être 7-8 ans, c'est presque tout ce que j'ai lu. Et est-ce que votre roman, vous a habité longtemps avant que vous vous mettiez à l'écriture? Celui-là, oui.
Donc, je me suis remis à l'écriture quand j'ai commencé à rédiger Un automne noir. Donc, j'écrivais quand j'étais étudiant, au secondaire, au baccalauréat. J'avais écrit plutôt un novella sur la bataille de Waterloo. C'était vraiment le roman historique qui était mon dada à cette époque. Oui. J'ai eu plusieurs plusieurs projets inachevés dans le tiroir. Puis alors, ensuite, pendant une période de quelques années, pendant mes études de doctorat, j'ai arrêté l'écriture complètement. J'avais plus l'énergie, j'y avais plus la tête. Puis je me suis dit éventuellement que je devais m'y remettre. Puis à partir de là, je m'y suis mis très rapidement une fois que j'ai pris la décision. L'idée trottait dans ma tête depuis longtemps. Le concept d'un automne noir, d'abord comme nouvelle, m'a trotté dans ma tête pendant 4-5 ans avant que je décide de commencer avant que je m'assoie devant l'ordinateur. Il y a un côté glauque aussi dans Un automne noir. Bon, avec, par exemple, si on pense à Un interrogatoire, on voit tout de suite l'image. Bon, quelqu'un assis à une table, une chaise, petite chaise, probablement inconfortable, espèce d'éclairage blafard, tout ça. Mais quiconque a lu le roman sait aussi que, bon, ça se passe à l'automne, mais c'est comme, on s'en est déjà parlé, c'est pas l'automne avec les feuilles encore dans les arbres, c'est l'automne froid, l'automne où il n'y a plus de feuilles, un automne glauque, finalement. Cette atmosphère-là, c'est important pour vous de la rendre dans le livre? Énormément. J'adore les... Je veux dire, c'est qu'il y a toujours le risque un peu de verser dans le cliché. J'y pense aussi avec ce que vous disiez par rapport au polar islandais, suédois, tout ça, on a cette espèce de quasiment de film en noir et blanc. Oui, c'est du roman noir. C'est du roman noir, le roman noir ou les téléséries noires aussi, parce que je m'en suis aussi beaucoup nourri. Mettent en scène souvent des sociétés, des univers un peu miroirs des nôtres, mais des miroirs qui sont toujours tout est plus sombre. On met l'accent sur tout ce qui est défaillant, tout ce qui est en train de s'effondrer, de s'écrouler, tout ce qui est lézardé. Puis souvent, en fait, c'est qu'on met en scène, je veux dire, typiquement dans les romans noirs, je pense aux romans noirs américains ou suédois, par exemple, on met en scène des problèmes sociaux, des inégalités sociales. Donc, il y a un reflet. Il y a une sorte de symétrie entre l'environnement physique dans lequel se déroule l'intrigue, puis aussi souvent, un peu on pourrait dire, les états d'âme intérieurs des personnages, mais aussi la société qui est lézardée de l'intérieur. Je pense que cette image, elle revient dans le roman, en fait, la société est malade. Oui, effectivement, ça fait partie justement de toute la trame de fond, ces élections, ce populiste donc qui voulait remporter le pouvoir. Je ne veux pas en dire trop parce qu'évidemment, je veux que les gens aient la chance de lire et de découvrir par eux-mêmes. Je vais inviter Éric Mathieu à revenir des nôtres pour une discussion avec les deux auteurs. Rebonsoir, Éric. Je vais quand même poser une dernière question, Florian, puis ensuite je vais vous la poser, Éric. Comme je dis, c'est un roman policier, ce roman noir. On ne veut pas tout dévoiler. Je vais dévoiler une chose, c'est que vous ne dévoilez pas tout, justement. Est-ce que c'était une décision consciente, Florian? Ça a été une décision qui est venue au moment de l'édition, quand je travaillais avec le directeur littéraire. Je dirais que dans les premiers jets du roman, c'était plus catégorique. Ça a été un commentaire que mes premiers lecteurs avaient fait. Par exemple, j'ai eu quelques lecteurs qui m'ont fait le commentaire qu'ils auraient aimé avoir une fin moins déterminée. Qui ouvrait plus la porte pour les lectrices et les lecteurs. Je vais me permettre de dire que je pense que c'est un choix polarisant. Donc, je pense que ça dépend des préférences personnelles. Moi, je suis quelqu'un, par exemple, qui aime bien, qui compose bien avec les nuances de gris, dans les ambiguïtés, quand on ne répond pas à toutes les questions. Je trouve que c'est intéressant. Quand on termine une œuvre, on termine un roman, on termine un film, puis on se demande encore, disons qu'il y a de l'espace pour l'interprétation. Il y a des gens qui peuvent sentir comme si on triche, on leur a volé quelque chose qui leur était dû. Donc, je pense aussi que ça a été un choix que j'ai fait. Moi, je suis à l'aise avec le choix. Je pense que c'était le bon choix pour cette histoire-là. Mais je vois aussi, par exemple, dans des réactions que j'ai eues de certains éditeurs. Puis aussi, si la critique a été chaleureuse, globalement très positive par rapport au roman, je sais que c'est un point sur lequel certaines personnes ont achoppé et qui a été soulevé par tout le monde. C'est-à-dire, certains ont dit « ça, il faut aimer ou il ne faut pas aimer ».
Vous mettez le polar dans polarisant, justement. Mais c'est vous, ça. Éric Mathieu, vous qui êtes, bon, un auteur, mais aussi un grand lecteur, est-ce qu'il faut que l'auteur donne toutes les clés, en fait, au lecteur? Est-ce qu'il faut que toutes les ficelles soient ficelées à la fin du roman, selon vous? Ah non, pas du tout. Au contraire, moi, je compte sur le lecteur ou la lectrice pour se faire tout un monde, pour essayer de... Je crois à l'intelligence du lecteur et de la lectrice, parce que quand on lit... Finalement, on s'approprie le livre, on peut le lire de manière complètement différente d'une personne à une autre. Alors moi, je laisse beaucoup de choses vagues, et comme je joue beaucoup entre la réalité et le rêve, justement, on n'est jamais vraiment sûr de quel côté on se trouve. Comme Florian, je joue un petit peu, bon, lui, il jouait sur deux espaces temporels, moi j'ai deux espaces temporels aussi, mais de lieux... où on retrouve la mer dans un endroit un petit peu bizarre qui s'appelle le Bardo. Donc, on est vraiment entre deux mondes. Et je pense que ça fait partie de mon univers. J'ai l'impression que Florian fait la même chose et que les lecteurs aiment ça parce qu'on va essayer de s'approprier l'histoire. On a déjà des questions du public. Je vous invite à continuer à nous en écrire. Je vais en prendre une de Gio-N Darcy, question qui s'adresse aux deux auteurs. Je vais vous demander à vous, Florian, en premier lieu, comment avez-vous mené vos recherches quant au lieu des intrigues? Par exemple, là, en l'occurrence, vous, Florian, avez-vous arpenté les rues d'Ottawa-Gatineau pendant votre écriture? Beaucoup. J'ai une blague. Il y avait un ami avec un de mes très bons amis. Un moment, on s'était dit qu'on allait se faire des après-midi puis aller faire du location scouting, comme on fait au cinéma pour trouver des lieux pour utiliser pour la photo. Donc, évidemment, je vis dans la région maintenant depuis presque une vingtaine d'années. Donc, je la connais bien. Je suis attentif. J'aime bien décrire. Puis, j'essaye d'avoir la description juste. Des lieux en ajoutant la couleur ou les ténèbres particulières à un automne noir. Mais j'ai adapté le lieu où se déroule la fiction en cours de route parce qu'originalement, un automne noir, dans mes premiers jets, se déroulait dans une ville fictive. Puis c'est éventuellement, j'ai fait le choix de camper l'intrigue dans un lieu au Québec, puis dans un lieu que... le lieu où j'habitais. Vous, Éric, ça se passe, bon, entre autres à Mechanicsville, ça se passe aussi un petit peu à Montréal, dans la Côte de Sable aussi. Avez-vous justement fait du location scouting, pour reprendre le terme de Florian? Oui, pas vraiment. En fait, Mechanicsville, je connaissais parce que quand je suis arrivé à Ottawa, j'ai été voir une maison là, en fait. Je trouvais que c'était un quartier intéressant. J'aimais beaucoup le nom. Alors moi, je suis très sensible au nom, à la poésie des noms propres. Donc, c'est ça qui m'intéressait. Mais comme j'aime pas trop coller à la réalité, j'essaie quand même de me détacher, puis pas faire de bêtises, à raconter des choses qui sont pas vraies. Alors, en général, je laisse les choses quand même assez vagues. Il y a une rue Bromley, là où il y a cette maison un peu étrange au début du livre. C'est pas une rue de Mechanicsville, par exemple. Ça, c'est une rue inventée. Donc, il y a un mélange de choses vraies et de choses inventées. Il y a une espèce de discothèque qui s'appelle le Fairbanks. C'est pas le Fairbanks, c'est le Barrymore's, mais je voulais pas parler du Barrymore's parce que, si vous voulez, l'histoire du Barrymore's m'intéresse pas vraiment. Donc, j'essaie de modifier un petit peu la réalité quand même. Florian, donc vous avez dit qu'au début, votre intrigue n'était pas campée dans la région. Pensez-vous que le fait que ça soit justement ici des rues que l'on connaisse, des endroits que l'on connaisse, est-ce que vous pensez que ça contribue au climat noir, au climat anxiogène? En autre mot, est-ce qu'un lecteur de la région va recevoir votre livre différemment que quelqu'un qui ne connaît pas, par exemple, les endroits que vous décrivez? Oui, c'est une question intéressante, Hugues. Mon impression jusqu'à maintenant, puis le retour que j'ai eu des lectrices et des lecteurs, certainement, c'est que les gens de la région ont beaucoup apprécié retrouver des lieux qu'ils connaissent dans le roman. Donc, de mon expérience en tant que lecteur, j'ai quand même pas vu énormément de romans qui mettent en scène, je veux dire, dans la production québécoise ou même cinématographique, qui mettent en scène Hall, Ottawa-Gatineau par rapport à Montréal, par exemple. C'est Montréal est quand même le haut lieu de la création culturelle au Québec. Donc, pour moi, il y avait cet intérêt, puis je pense que les lecteurs ont apprécié. En revanche, Hugues, tu te souviendras peut-être quand on a fait, quand on a eu une discussion semblable à l'ambassade de France. C'est un sujet qui a mené à beaucoup de discussions parce que dans ce cadre-ci, on se trouvait devant un auditoire où il y avait évidemment, on était à l'ambassade de France au Canada.
donc plusieurs spectatrices et spectateurs français. Puis il y a eu une discussion intéressante sur l'universalité des lieux. Donc, est-ce qu'on devrait camper les fictions dans des lieux que les gens connaissent, ou est-ce que ça peut rendre la fiction mais un ouvrage, une production culturelle inintéressante pour les gens qui ne connaissent pas le lieu. Donc, pour moi, je pense que toute fiction, toute histoire est campée dans un lieu, généralement dans la mesure où c'est un lieu réel. C'est matière à discussion. J'ai adapté ma question pour vous, Eric. Est-ce que c'était nécessaire que ça se déroule à Ottawa, Mechanicsville et puis à Montréal aussi, votre histoire? Pour ce livre, oui, mais je pense que justement, en fait, c'est toujours une question que je me pose. Mes trois romans se passent dans des lieux précis et j'ai l'impression que quand j'écris, c'est un petit peu mystérieux, mais les lieux deviennent des personnages à part entière des romans. Puis c'est vrai aussi pour le troisième. Mais moi, personnellement, je rêve de faire un roman justement qui se passe dans un non-lieu, quelque part. En fait, j'en ai fait un, le suivant, qui se passe dans un endroit complètement inventé. On ne sait vraiment pas la ville, le pays. Donc, je rêvais de faire quelque chose comme ça, de faire quelque chose de différent. Ce n'est pas facile parce que je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ancrent leurs histoires dans des lieux réels parce qu'on peut apprécier, même si on ne vient pas de là, d'un autre pays, on apprécie la littérature des pays étrangers par justement les lieux, par des choses différentes de ce qu'on peut vivre. Donc, c'est aussi important, mais pour moi, c'était important aussi d'écrire quelque chose de plus neutre. Vous parlez de vos prochains romans, Eric, là, sans trop dévoiler quelque chose. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi ça va parler? Est-ce que ça va être encore aussi onirique, étrange, évanescent par moments? En fait, comme pendant la pandémie, j'ai beaucoup écrit parce que je me suis retrouvé, comme tout le monde, à la maison. Alors, moi, je m'ennuie vite. J'aime écrire tous les jours comme une espèce de pratique quotidienne. Alors, j'ai un ou deux romans d'avance. Le prochain ne va pas être celui dont je viens de parler. Là, ça va être un autre qui est ancré quand même aussi dans un endroit. Ça se passe au Québec et je voulais m'essayer avec quelque chose de complètement différent. Une métafiction historiographique. Donc, quelque chose d'inventé, d'historique, mais pas l'histoire réelle. Là. Quelque chose d'inventé, de parler de révolution, d'activité sociale au 19e au Québec. Donc, c'est vraiment quelque chose de différent. Avec moins de surréalisme, bon, évidemment, c'est inventé complètement, mais moins noir que d'habitude. C'est pas un roman noir. C'est important aussi de se réinventer, de pas toujours faire la même chose, ce qui n'est pas facile. Donc, oui. C'était un but pour moi, pour ce quatrième roman. Vous ne craignez pas que ça va vous manquer, justement, si c'est moins noir, si c'est différent? En fait, celui là dont je parlais, qui se passe dans un endroit neutre, c'est mm-hmm. un roman noir, donc ça ne me quitte pas. C'est quelque chose okay. que je vais continuer à faire. On retrouve un petit peu les mêmes éléments. Je pense que c'est aussi important d'être reconnu pour certains thèmes, parce que les lecteurs ou les lectrices reviennent vers ça s'ils ont aimé la première fois. Mais en même temps, en tant qu'écrivain, de faire des choses un petit peu différentes, d'expérimenter pour soi aussi, puis essayer de voir comment le public va réagir. Florian, je vois Opiné Dubonnet, je vais donc poser la question que pose Carole Fréchette, qui dit « J'ai vu à la fin du roman une ouverture pour une suite à Un automne noir. Y aura-t-il une suite? » Non. Ah! Bon ben... Non, c'est une histoire qui est terminée. J'ai terminé le manuscrit de mon deuxième roman, puis en fait, je m'apprête à l'envoyer à des éditeurs là, cette semaine. Puis il y a un moment où j'ai flirté avec l'idée de peut-être faire passer Mila Scherer et Nassir Hassan comme figurants dans ce deuxième roman, mais seulement comme figurants. Non, il n'y aura pas de suite. C'est une histoire qui se tenait en soi. Puis, je pense qu'il n'y a rien à y ajouter. Madeleine Roy demande, comment choisissez-vous le genre de vos protagonistes? Alors, c'est quand même, il y a l'inspecteur Hassan, par exemple, dans votre cas, Florian. Et il y a aussi, bon, l'inspectrice Scherer, mais bon, et Estera Villeneuve, mais ça aurait pu être aussi deux hommes, une femme, trois femmes, enfin que sais-je. Comment vous avez choisi le genre de vos protagonistes? Eric, je peux répondre d'abord? Oui, vas-y. C'est une excellente question. J'avais envie de mettre en scène plusieurs personnages féminins. Je n'ai pas une très bonne raison, ou enfin la raison pour laquelle j'ai fait ce choix-là n'est plus très claire pour moi.
C'était pour faire différent, pour montrer. Je pense que j'avais envie de parler d'une sensibilité, mais peut-être que j'avais envie de vivre à l'époque. En ce qui concerne Nasir Hassan, je pense qu'il y a deux choix. Il y a deux raisons. Une d'entre elles, c'était le climat dans lequel, le climat social dans lequel j'ai écrit le roman. Donc, j'ai commencé en 2008. C'était le début, enfin, c'était la troisième année à peu près du débat au Québec sur les accommodements raisonnables. Puis donc, on commençait à parler de plus en plus, évidemment, de diversité culturelle. Je vivais aux États-Unis. Donc, à l'époque, j'étais à Philadelphie. On était à la pente descendante de l'administration Bush en Irak. La guerre contre le terrorisme, donc, le tempo avait commencé à descendre, puis il commençait à y avoir un genre de mea culpa, peut-être, par rapport à certains excès qui avaient pu être faits en son nom, notamment sur la question de la relation qu'on a vis-à-vis des musulmans. Donc, j'ai eu envie de faire un personnage issu de la minorité. J'ai aussi eu des amis marocains, puis pour cette raison, je me sentais... je pense que j'avais envie de donner un certain ton à Hassan. Et vous, Eric? Bon, en fait, il y a souvent un équilibre des genres. Dans mes romans, surtout celui-là aussi, il y a souvent des doubles. Alors, le double, ça peut être un homme, mais ça peut être une femme aussi. Là, il y a Nathan, Adam, le double, mais il y a aussi Margot, donc il y a une fille au départ aussi. Il y a le rôle de la mère, donc il y a vraiment un équilibre entre les genres dans mes romans, oui. Toutes sortes de personnages, oui. Il n'y a rien qui dicte comme tel. Florian Grandena qui demande, la musique tient-elle une place dans l'inspiration? Pour moi, oui. Éric, oui, des films que vous avez regardés, bien sûr, des livres aussi, mais la musique... Oui, il y a un tas de choses qui sont une source d'inspiration pour moi. Dans le livre ici, il y a parfois des listes de cassettes de l'époque avec de la musique. Ça donne un peu le ton de ce que Nathan écoutait. Donc ça, c'est important. Le nom Nathan Adler, ça m'est venu, en fait. C'est un album de David Bowie de 95, Outside, qui raconte toute une histoire aussi un petit peu surréelle d'un personnage, rien à voir avec mon histoire, mais y a un tas d'influences, de choses un peu cachées dans le livre qui sont en rapport avec le cinéma, David Lynch, par exemple, mais aussi donc la musique, tout ça, ça m'influence. Oui, il y a des playlists, vraiment. Justement, des fois, oui. Nathan part, et puis on a sa liste de musique. Exact, oui. Il y a même une playlist qui a été faite par mon éditeur qui existe, alors on peut la jouer en lisant le livre. C'est multimédia. Vous, Florian, la musique, est-ce que ça vous inspire? Donc, j'adore la musique. J'ai commencé à jouer à la guitare électrique à l'âge de 14 ans. J'écoute plusieurs genres de musique, mais est-ce qu'il y a un genre de musique en particulier qui inspire mon écriture? Je dirais que si j'avais besoin d'un coller un, j'écoute de la musique gothique, j'écoute du new wave, comme ce qu'on voit un peu dans les playlists, dans les bandes sonores de la solitude du Terminal 3, aussi du post-rock. Et du post-metal, tu sais, donc c'est une musique qui est essentiellement instrumentale, souvent qui se développe en intensité et en crescendo, très en mineur. J'écoute de la musique en mineur. Je peux comprendre comment ça vous inspire pour des romans noirs, des atmosphères glauques, justement. Vous avez fait référence au Terminal 3 du titre. Éric Mathieu, on n'en a pas beaucoup parlé, mais le Terminal 3, là, grosso modo, simplement donner le goût de la lecture, c'est quoi? C'est un aéroport, donc c'est un endroit un petit peu bizarre. Nathan retrouve sa mère décédée dans cet endroit, et pour moi, c'était une façon de parler du bardo, bardo dans le sens du livre des morts tibétains. Donc, un entre-deux, un lieu avant une sorte de résurrection. Et donc, la mère est dans cet espace, elle ne veut pas vraiment abandonner son fils, et donc il y a un dialogue entre le fils et la mère dans cet espace. C'était une façon pour moi de retrouver, d'écrire sur ma mère décédée, mais pas d'une façon réaliste. À qui vous dédiez le livre, d'ailleurs, hein? Oui, exactement. Donc je n'étais pas capable de parler de ça en termes d'autofiction. Donc, il a fallu que je trouve un moyen indirect de le faire. Et donc, tous les moments du Terminal 3, qui est donc un bardo, dans le sens tibétain, et un endroit où le fils peut avoir un dialogue avec sa mère, et on voit que
au fil du livre, finalement, il faut essayer de se détacher de ça, et ça va être important pour Nathan, qui fasse son deuil, finalement, et qu'il essaye de laisser sa mère partir. Et d'ailleurs, elle va partir à un moment donné pour le laisser aller dans sa vie comme un être normal, de ne pas trop s'attacher au passé, parce que Nathan est quand même pas mal attaché au passé, et c'est important pour lui de s'épanouir. Donc, ça fait partie de ça. Donc, les deux espaces, les deux temps, c'est ça. Le Terminal 3, c'est donc un aéroport, un espèce de non-lieu où on retrouve ces personnages décédés. Je vois beaucoup de livres derrière vous, Éric Mathieu. C'est peut-être la raison pour laquelle Myriam Dali pose la question suivante. Qui sont les auteurs qui vous inspirent? Il y en a beaucoup. Moi, j'aime, comme je suis linguiste, j'aime beaucoup Nabokov parce qu'il joue avec le langage. Comme il disait, les histoires pour lui n'avaient pas d'importance. Il jouait vraiment sur la forme. D'une certaine manière, moi, je suis aussi un formaliste. Dans le livre, dans La solitude du Terminal 3, c'est une métafiction dans le sens où je joue beaucoup avec les genres, c'est multigenre, il y a des dialogues comme une pièce de théâtre, il y a des moments plus poétiques, il y a des questionnaires, enfin il y a un tas de choses un peu métafictionnelles. J'aime beaucoup aussi Joyce Carol Oates qui joue beaucoup entre la réalité, bon, des questions sociales, mais aussi le surnaturel, dans le genre Kafka, dans le genre de ces écrivains-là, même on pourrait dire Edgar Allan Poe. Donc un mélange de, je dirais, des choses non réalistes et formalistes dans le sens où les écrivains s'attachent à la langue et à la forme de l'écriture. C'est ça qui m'intéresse pas mal. Florian, vous avez parlé des polars suédois, islandais, entre autres, que vous aimez beaucoup, que vous aviez beaucoup lu à une certaine époque. Est-ce qu'il y a d'autres inspirations? Oui, donc pendant mon adolescence, j'ai dévoré Lovecraft. J'ai lu, je pense, toute l'œuvre de Lovecraft. J'ai lu Poe aussi, que j'ai beaucoup aimé. J'ai lu les recueils de nouvelles de Poe. Je lisais beaucoup le roman historique, puis je ne sais pas en termes du polar, qu'est-ce que ça vient nécessairement, comment ça se rattache au genre d'un automne noir, mais par exemple, Les Rois maudits de Maurice Druon, ça a été une de mes plus grandes inspirations. J'ai décidé de faire mon bac en histoire, mais il y a peut-être le sens de l'intrigue, du mystère, des intrigues de cour donc qu'on retrouve dans Les Rois maudits. Au niveau des œuvres que je lisais à l'époque, que je rédigeais un automne noir, je dirais aussi que dans le roman plus fantastique. J'ai lu House of Leaves de Mark Danielewski, je pense. C'est peut-être pas Mark. Mais ça, c'est un roman. C'est un roman d'horreur, entre guillemets. C'est pas entièrement un roman d'horreur. C'est onirique, postmoderne. C'est un roman vraiment, vraiment intéressant. J'ai aussi lu Paul Tremblay. C'est Tremblay en anglais, là. C'est en américain. J'ai lu aussi... Enfin, quelques autres. Donc, des romans, des écrivains d'horreur contemporains. Puis, c'est ça. John le Carré, des romans d'espionnage pour l'intrigue, pour le sens de l'intrigue. Toutes nos lectures, finalement, nous forment, contribuent justement à quand on écrit, j'imagine, Florian. Oui, même si on ne voit pas tout le temps nécessairement le lien direct que peut avoir les inspirations, mais je pense que ça nourrit notre sensibilité, puis on apprend, il y a certains genres de techniques qu'on essaye de reproduire de façon inconsciente, certaines de façon plus consciente. Je pense que tout vient contribuer à ce qu'on fait maintenant. Par exemple, je sais que le sens de l'intrigue puis le sens des intrigues entre les personnages, on le retrouve moins dans un automne noir, mon deuxième manuscrit, si et quand il est publié, on verra très clairement beaucoup plus des intrigues de genre, des intrigues parlementaires, des intrigues de cour. Un roman très différent. Un jeu de coulisses, hein, en quelque sorte. Absolument. Est-ce que vos lectures, Éric Mathieu, affectent votre subconscient lorsque vous écrivez? Oui, certainement, parce que en fait, certaines scènes peuvent être influencées de la réalité, mais parfois simplement de scènes de livres, mais aussi de films. Donc, le cinéma m'influence beaucoup. Je pense que, en fait, un réalisateur m'a dit que dans La solitude du Terminal 3, il trouvait ça très cinématographique.
effectivement, il y a beaucoup de scènes qui sont influencées du cinéma, puis je pense que la littérature contemporaine est très influencée par le cinéma. Hein, on dit souvent que le cinéma, bon, adapte des œuvres littéraires, mais c'est le contraire, souvent. Le cinéma a fait en sorte que on a moins de descriptions, les scènes sont beaucoup plus rapides, les dialogues, etc. Et je pense que nos deux romans, justement, on retrouve beaucoup le cinéma dans ces livres-là, en fait. Mmh. En fait, vous répondez peut-être en partie à la question que posait François Thibault, qui se lit ainsi. Lorsque vous écrivez, souhaitez-vous que vos lecteurs et lectrices développent un imaginaire visuel? Pensez-vous adapter vos œuvres au cinéma? Pourquoi pas, si un producteur vous offrait d'adapter votre œuvre, Éric Mathieu? Oui, oui, je dirais pas non, tout à fait. Non, en fait, on me l'a dit récemment, un réalisateur m'a dit... Il m'a dit, c'est très cinématographique, je vois bien ça adapté au cinéma. Pour moi, c'est un compliment. Comme je le disais, bon, ça ne m'étonne pas parce que ça m'influence beaucoup, consciemment et inconsciemment, je pense. Mais les films qui m'ont marqué, moi, dans ma vie, ça reste avec moi très, très longtemps. Je pense qu'il y a une force du cinéma incroyable parce que, justement, bon, il y a beaucoup d'écrits là-dessus. Le cinéma fonctionne beaucoup, justement, sur le subconscient, peut-être encore plus que l'écriture. Donc, ça forme toute une... tout un univers, tout un imaginaire, et surtout les films quand on a vu quand on était très jeune, peut-être aussi les livres quand on a lu très jeune, ça reste avec nous très longtemps, et ça, ça nourrit les thèmes de notre littérature. Et bien sûr, on a les référents aussi, si nous avons vu les mêmes œuvres. Vous, Florian, si on vous offrait de porter au grand écran Un automne noir? Ben, moi, je suis preneur, hein. Mais pour être sérieux, ouais, je trouve que c'est une excellente question, puis j'apprécie beaucoup la réponse d'Éric à ce sujet-là. Notamment la question du transfert du cinéma vers la littérature. Je pense que je trouve que tu l'as très bien dit. Je me permets de te tutoyer là. Une des choses à laquelle je pense que l'influence que le cinéma ou le médium télévisuel a sur mon écriture, j'écris par scène. Ça vient aussi de certains auteurs que j'ai lus, mais je pense que probablement que ce sont des auteurs qui sont influencés par le cinéma, par les téléséries. Donc, probablement qu'il y a une plus grande conscience. Donc, par exemple, les chapitres souvent ont lieu dans un lieu précis. C'est un peu comme au théâtre. Quand on change de lieu ou qu'on change du nombre de personnages, souvent, c'est un autre chapitre. Par exemple, comme on changerait de scène ou on changerait d'acte au théâtre. Donc, les univers sont beaucoup plus clos. Alors, je commence souvent par imaginer le lieu dans lequel la scène se déroule, essayer de la visualiser, de donner quelques bribes d'informations pour peindre l'atmosphère pour les lectrices et les lecteurs. Je pense qu'en écrivant plus longtemps, en faisant un deuxième, un troisième roman, je vais apprendre peut-être à trouver le bon dosage. Je suis encore relativement à mes débuts. Là, je dis ça, avec humilité, là. On a tous encore des choses à apprendre. Puis, par rapport à la question de comment on dose, justement, quand Éric faisait référence au fait que, bon, on sent peut-être le besoin maintenant de moins d'écrire, de passer plus rapidement sur des descriptions ou de faire des dialogues qui sont plus rapides, plus serrés. Je sais que dans mon deuxième roman, j'ai essayé de faire ça. C'est difficile de trouver un équilibre quand on aime décrire, quand on aime évoquer, parce qu'on est dans un médium de mots et non d'images. Donc, il faut quand même plus écrire que si on avait des images qui racontent. Donc, on n'a pas besoin de faire ces descriptions. C'est comme la différence entre la radio comme médium journalistique ou la télévision comme le téléjournalisme. Où, par exemple, on a les images quand on regarde un reportage qui est diffusé à la télévision. En même temps, tu sais, par rapport à l'étendue de la description, je vais terminer là-dessus, je pense à la question des états d'âme. Il me semble qu'au cinéma, les bons réalisateurs, tu sais, il y a les bons réalisateurs ne se sentent pas obligés de tout montrer. Donc, je pense par exemple à... ou à suggérer, par exemple, par... Il y a le bon vieux show, don't tell, hein, c'est ça? Ben c'est exactement, là, je pense à show, don't tell. Puis alors, c'est ça, dans quelle mesure, quand on a un médium écrit, est-ce qu'on doit communiquer ce que vit le personnage? Est-ce qu'on ouvre l'univers intérieur des personnages? Est-ce qu'on essaye de décrire les sentiments? Ou est-ce qu'on donne des aperçus, je sais, soit par le dialogue, par des tics, de la gestuelle? Des indices aux lectrices et aux lecteurs sur ce qui est en train de vivre le personnage au lieu de leur dire noir sur blanc voici ce qui est en train de se passer, voici ce qui est en train de se passer.
Vous, Éric, je vous prends parti parce que je sais que vous êtes spécialiste de la syntaxe. Alors, ça va être ma dernière question. Quel est le rôle que la syntaxe peut jouer pour créer un climat anxiogène, là, au-delà de simplement les images que l'on crée avec les phrases, mais la façon dont la phrase est construite, comment qu'on fait ça? Ben moi, le rythme de la phrase m'intéresse beaucoup. Alors, quand il se crée une espèce de suspense ou de tension ou de quelque chose d'un peu d'horreur ou je ne sais pas quoi, je vais travailler beaucoup sur le rythme. Les phrases vont être plus courtes. Je vais aller à la ligne, les paragraphes vont être plus courts. Donc, je joue beaucoup sur la forme, ça m'intéresse beaucoup. Donc, en tant que syntacticien, j'aime travailler sur la forme de la phrase et aussi sur la prosodie de la phrase. Donc, parfois, je lis à haute voix pour voir un peu ce que ça donne. Puis parfois, bon, c'est plus descriptif pour créer le ton d'une ambiance. Alors là, les phrases sont plus longues, les paragraphes sont plus longs. Donc, ça dépend un petit peu de ce que je veux faire. Donc, mais en travaillant sur la syntaxe, ça permet de travailler sur le fond aussi en même temps. Vous, Florian, côté syntaxe, c'est quelque chose auquel vous avez porté une attention particulière dans l'écriture? Je suis d'accord avec les propos d'Éric. Je dirais que pour moi, je suis encore en train de chercher ma voix. Je dirais que de façon générale, plus on veut faire augmenter la tension dans le récit, enfin pour moi, plus je vais multiplier les phrases courtes. Parce que ça évoque pour les lectrices et les lecteurs un sentiment d'immédiateté. Donc, on est engagé dans l'action. Tout se passe très rapidement. Il y a peu de moments de contemplation. On est dans comme le sujet, verbe, complément. Sujet, verbe, complément. Je lève le regard. Je le vois. Au loin, j'entends quelque chose, etc. Le défi, c'est que... ça se lit facilement. Ça, c'est un avantage. Je sais que moi, je suis moi-même un lecteur qui... je suis fatigué le soir. On a tous des occupations professionnelles, c'est drainant. Lire des phrases plus ardues, plus lourdes, ça peut exiger beaucoup plus de concentration. Je pense à quand je lisais, là c'est pas en littérature, mais Horkheimer et Adorno, quand j'étais aux études de deuxième et troisième cycle des philosophes allemands, c'est monstrueux comme syntaxe. C'est bon, c'est comme conceptuellement super intéressant, mais c'est monstrueux à lire. Donc, je pense aussi que quand on a une écriture plus simple, ça permet aux lecteurs puis aux lectrices de consacrer moins d'efforts à consacrer le propos. Mais il y a toujours le risque puis le défi que ça manque de variation. Alors, quand j'étais en train de lire récemment pendant les fêtes, je lisais des auteurs, là, des pères, Tristan Malavoie qui vient de publier « L'œil de Jupiter », par exemple. Oui. Ou quand j'étais en train de lire Eric, justement, je faisais vraiment attention à la syntaxe, puis à la longueur des phrases. Puis alors, tu sais, je mesurais, bon, quand ça devient plus court, quand ça devient plus long, parce que je me cherche là-dedans en ce moment. Je me demandais, bon, est-ce que j'ai été un peu trop à l'extrême maintenant d'écrire de façon trop saccadée? Je veux dire, dans le deuxième roman, oui. OK, ça c'est intéressant. Bien, Florian Olsen, Éric Mathieu, merci beaucoup. Merci de votre disponibilité ce soir. Alors, je montre les deux romans, Dans la solitude du Terminal 3, Éric Mathieu, Florian Olsen, Un automne noir. Vous voyez que les deux pages couverture sont assez sombres aussi. Hein? Il n'y a pas beaucoup de couleurs là-dedans. Et si vous pensez que j'ai décidé de m'habiller en noir et gris pour matcher, vous avez tout à fait raison. J'aimerais aussi, en plus de remercier nos auteurs, remercier en fait nos deux comédiennes qui étaient des nôtres ce soir. Merci pour vos excellentes lectures, mesdames Clémence Roy-Daris et Maxime Turcotte. Merci. Encore une fois, une bonne main d'applaudissements. Et puis aussi, je tiens à remercier tous les partenaires. Premièrement, l'UNEC, l'Union des écrivaines et écrivains québécois, la Fondation Lire pour réussir, la Maison des arts littéraires et le Salon du livre de l'Outaouais. D'ailleurs, soyez aux aguets parce que le Salon du livre de l'Outaouais va dévoiler mardi prochain sa programmation. Je peux vous dire d'ores et déjà, je vous dévoilerai rien, que je serai là. Moi, je vais avoir la chance de faire quelques entrevues avec quelques auteurs. Le tout vous sera dévoilé dans à peu près un petit peu plus d'une semaine. Alors, encore une fois, Éric Mathieu, Florian Olsen, merci beaucoup. À vous qui avez été des nôtres ce soir, mesdames, messieurs, merci beaucoup. Et puis, merci. On espère vous revoir en personne la prochaine fois. Bonne soirée.